Bonjour. Dans une précédente émission, nous avons rappelé l'ancienneté de la pratique religieuse des musulmans en France, qui est aussi ancienne que l'immigration et les vagues de rapatriement après la décolonisation. Et nous avons rappelé l'importance de la vie religieuse dans les hameaux de forestage, les cités de transit où ont été parqués les anciens supplétifs de l'armée française. Qui avait euh, des, euh, des imams, des talebs, pratiquement dans chaque section. Or, euh, les islamopolitistes qui se sont accaparés de ce sujet, euh, à partir de la crainte de ce qu'on appelait à l'époque une contagion rouméniste, ils ont découvert la pratique religieuse sous l'effet de la peur de la montée d'un islam politique dans l'Hexagone. Jusqu'à nos jours, ils ne nous parlent que des frères musulmans pour diaboliser. Et ils n'ont jamais parlé des Français musulmans qui ont été à l'origine de l'ouverture de plusieurs dizaines, voire de centaines de salles de prière discrètes, notamment dans les hameaux de forestage qui sont en voie de disparition. Parce que, vu l'âge des habitants qui ont parfois 90 ans, quand ils disparaissent, en, ces hameaux sont, euh, sont transformés centre de vacances rattaché au VVF, je crois, euh, sans que l'on s'avise à laisser ne serait-ce qu'une plaque rappelant le passage de ces supplétifs dans ces logements de fortune, comme si on voulait euh, effacer les traces de cette euh, honte, de cette mauvaise hospitalité pour des gens qui, ont, euh, qui se sont engagés euh, pour la France contre leurs propres frères. Et aujourd'hui, avec le même invité, Chérif Lounès, qui, est, qui a grandi en France, dans, en Franche-Comté, qui a fait études, ses études à l'Université d'Aix-en-Provence, qui a été un des rares étudiants musulmans pratiquants euh, à l'AEIF, l'Association des étudiants islamiques de France, puis au sein d'autres associations d'étudiants pratiquants. Donc il a été un témoin privilégié de cette période charnière où les islamopolitistes se sont mis à, à enquêter euh, de manière euh, assez désagréable pour les musulmans pratiquants parce que leur euh, démarche était fondée sur une stratégie du soupçon. On avait tendance à voir en tout musulman pratiquant instruit un, un militant roméniiste potentiel, et euh, c'est ce qui a amené le regretté Bruno Etienne à, à lancer des enquêtes et des recherches à l'université d'Aix-en-Provence. Euh, en même temps que Sciences Po Paris, euh, sous l'égide de Rémi Levaux et de, de Gilles Keppel euh, menait de leur côté de ces études à caractère sécuritaire, avec la, la dose de désinformation, euh, qui, comme par exemple euh, les banlieues de l'islam, qui est, est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, il est farci d'erreurs et d'accusations. Euh, d'accusations arbitraires notamment à l'encontre de Hamidullah que keppel euh, présente comme étant un frère musulman syrien on ne voit pas pourquoi mais Hamidullah n'avait absolument rien à voir avec les frères musulmans, il a précédé il a été admis au CNRS avant même la, la naissance de Kepel et Kepel jusqu'à maintenant néglige de rappeler que Hamidullah était un chercheur euh, apprécié par tous les grands islamologues au CNRS et euh, Malik Benabi, aussi qualifié de maître à penser d'une génération d'intégristes. Donc, on voulait avoir des chiffres ronds pour mériter les subventions euh, de, de, des socialistes qui avaient le, la, la hantise euh, de, de l'islam, parce que présenté à l'époque comme obstacle à l'intégration, pour mieux dissimuler les abandons de la gauche caviar en matière de lutte contre les inégalités, on, on a actionné cette poignée d'islamopolitistes euh, pour intoxiquer l'opinion et le faire croire qu'il y a euh, le risque d'un grand soir islamiste, alors que la marche de 1983, qui s'appelait la marche pour l'égalité, a révélé l'ampleur des problèmes d'intégration, qui sont d'essence sociale. On a préféré l'appeler la, la marche des beurres pour lui donner une dimension identitaire qu'elle n'avait pas. Et les islamopolitistes ont servi à dissimuler l'ampleur des problèmes d'intégration que la gauche caviar a renoncé à régler, et ils ont actionné la peur de l'islam. Le bilan de, cette, de ces trois décennies, c'est celui-là. Et nous avons le shérif Lounès, qui était étudiant à ce moment-là, qui a de très bons souvenirs, dont le témoignage permet de combler les lacunes de, cette, de ces études à caractère sécuritaire, dont les auteurs sont, décident d'être fâchés avec l'histoire. Donc nous avons conclu... La dernière fois que l'islam avait une grande histoire, une ancienneté, une pratique religieuse paisible, mais on n'a d'intérêt que pour ce qui est radical aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la situation locale dans les Bouches du Rhône, dans le Midi, où il y avait une forte concentration de rapatriés qui sont venus s'ajouter aux immigrés des années 20 et 30 qui font que Marseille aujourd'hui est appelée la 49e wilaya d'Algérie, hein, toute nationalité confondue. Or, à Marseille, il y a un grand projet de, de grande mosquée qui est en souffrance depuis des décennies. Euh, quelles sont les raisons de cet échec, de ce projet qui a enthousiasmé beaucoup de monde, musulmans et non-musulmans Merci Sadak Selem de cette invitation. Donc, nous allons aborder ce sujet euh, sur Marseille. Euh, merci aussi euh, à la télévision Elmar Lebia pour ce genre d'émission qui, j'espère, vont éclairer les téléspectateurs sur cette histoire récente, mais qui est liée quand même à un passé euh, très ancien, notamment ce projet de mosquée de Marseille qui remonte à plusieurs siècles. Ce n'est pas que d'aujourd'hui. Euh, nous avons encore une trace de ce qu'on appelle la chapelle des forçats, la chapelle musulmane des forçats, qui date d'environ de, 1660. Des galériens. Des étaient... galériens, hein, oui. et forçats, qui, euh, <coughs> euh, qui étaient au port, hein, et qui donc euh, est, est toujours existante, qu'on peut visiter dans un parc. On euh, permettait un voilà. lieu est, où C'est un vestige qui a une architecture effectivement euh, mauresque. Orientale, musulmane, et dont on dit que c'était une mosquée. Donc elle est toujours là. Elle a servi pour d'autres choses, mais elle est toujours existante à Marseille. Et Marseille, comme vous le savez, déjà à l'époque de François Ier, où il y avait des échanges importants avec l'Empire Ottoman, était un lieu où, qui était fréquenté par pas mal de musulmans dans le commerce, les échanges, le marchandage, etc. Et donc, Marseille a toujours eu cette image de la porte vers l'Orient, et qui a toujours d'ailleurs. Hein. Et donc, on avait ces, ces échanges. Et euh, on a un écrit euh, de Voltaire qui passe donc euh, à Marseille en revenant d'Istanbul. Et il dit, voilà, euh, j'ai eu l'honneur, il parle de Constantinople, donc Istanbul, j'ai eu l'honneur d'assister à l'installation d'un patriarche grec par le sultan Ahmed III, que Dieu veuille avoir l'âme. Vous savez que dans les écrits de Voltaire, il y a beaucoup de sagesse musulmane. Hein. Il y a eu une grande influence dans ses écrits. Hein. Et voilà ce qu'il dit, donc, Voltaire. Euh, le chef ottoman, donc, donne à ce prêtre chrétien l'anneau et le bâton qui est en forme de béquille. Il eut ensuite une procession de chrétiens dans la rue donc à Istanbul, hein. deux janissaires marchèrent à la tête de la procession, j'eus le plaisir de communier publiquement dans l'église patriarcale, et il ne tint qu'à moi d'obtenir un canonicat. J'avoue qu'à mon retour à Marseille, je suis fort étonné de ne point y trouver de mosquée, j'en marquai ma surprise à M. l'intendant et à M. l'évêque, je leur dis que cela était fort incivil, et que si les chrétiens avaient des églises chez les musulmans, on pouvait au moins faire aux Turcs la galanterie de quelques chapelles. Ils me promirent tous deux qu'ils en écriraient en cours, mais l'affaire en demeura là, etc., etc. Donc là, on est quand même au XVIIIe siècle. Et euh, ce besoin d'un lieu de culte musulman, du fait des échanges de Marseille avec cette Méditerranée et l'espace de euh, la civilisation musulmane, euh, on va arriver, je vais rapidement, en 14-18. 14-18, donc à l'armée d'Afrique, des bataillons entiers, près de 500 000 hommes de l'armée d'Afrique, ce qu'on appelait les indigènes, vont participer à cette première guerre mondiale. Que du côté algérien, on parle de 50 000 morts, sans parler des et des blessés qui vont décéder plus tard, mais déjà dans la guerre. Et. Euh, on va faire la mosquée de Paris suite à cette première guerre mondiale 1920 donc la mosquée de Paris va être érigée et Marseille n'a toujours pas de lieu donc en 1937 euh, un nouveau maire qui s'appelle Henri Tassot, qui était aussi secrétaire d'État à la Marine va créer un comité marseillais de la mosquée de Marseille en 1937 et euh, ça va pas aboutir hein, ça va pas aboutir alors, est-ce qu'il y avait des musulmans dans ce comité Je n'ai pas les membres, mais c'était surtout des Marseillais. Il y avait des musulmans, certainement, puisque c'était destiné pour eux. Mais Parce que 1937, c'est l'année de l'ouverture du Centre culturel du Congrès musulman algérien Tout à fait. de Malek ben -Nabi, Tout à fait. À pas loin de la autre... gare Saint-Charles, en bas, oui, effectivement. La rue Fauchier. La rue Fauchier. En, en, en bas de la place... Euh, L'intervention de, de Malek Ben-Nabi, qui était un intellectuel musulman algérien. Oui. Et qui a beaucoup œuvré auprès des, des immigrés pour euh, l'alphabétisation. Pas des, seulement. Mais qui menait aussi des discussions interreligieuses. De, lui, c'était l'orientation pour civiliser voilà. les travailleurs immigrés. immigrés. C'est une expérience que, très ouais. courte, mais qui l'a beaucoup marqué. Et dans le même temps, il y avait un hadith, un sous l'égide de Sheikh Faudel qui n'aidait pas beaucoup Malek Ben Nabi, parce que ce n'était pas la même optique. Et il y avait D'après le livre de Tamim, Émile Tamim, qui, est très, qui a travaillé sur les archives locales. Sur l'immigration, oui. Il parlait d'une association appelée la Zawiya Madrasa. Et le, le Madrasa, c'était la terminologie préférée des ulama, réformateurs. Mm. Zawiya, c'est le mouvement confrérique. Donc c'était une volonté de faire cohabiter les deux tendances. Et il semble qu'ils aient eu un lieu, alors des lieux très modestes, des fois c'était l'arrière-salle d'un café. ça. Euh, notamment euh, par un ancien, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, originaire de Bonn, qui s'appelait Talmoudi. Il est resté après la Première Guerre mondiale et lui, il était à l'origine du cercle de Malek Ben-Nabi. Après, il était à la tête d'une association des musulmans. Algérienne de Marseille jusqu'à la, la guerre d'Algérie, qui était à la rue Bois, euh, Dubois. Oui, Bernard Dubois. Bernard Dubois. Oui, oui. euh, ouais. qui, bon. qui existe toujours. Oui. On, le on, a, le, toujours. on a les traces de ses lettres mmh. au préfet El-Mecheli, qui était à la présidence de la République et qui avait été euh, détaché auprès, auprès de la police spéciale pour immigrer de Marseille dans les années 30. Bon, donc il y, y a. Mmh. Et alors, dans le cas de Malek ce ben c'est pas très glorieux pour la communauté musulmane, très nombreuse, qui ouvre de grandes salles de prière juste à côté, et qui n'a pas eu l'idée de préserver ce lieu de mémoire qui a été rasé par la mairie pour un plan de rénovation urbaine, alors que l'Institut le, le, Saint-Jacques, qui est une école privée catholique, qui est en face, reste oui. et, qui est et, toujours là. Oui, on aurait pu obtenir qui au un jour. traitement égalitaire. Oui. – On a une mosquée, je crois, qui dépend du tablier ou des Marocains, oui, pas très loin de la rue Fauché, qui, qui est sur plusieurs étages. Ils ont parlementé avec la mairie, ils ont obtenu les autorisations. Ils auraient pu avoir la bonté de, de dire, préserver ce lieu de mémoire. Mais euh, malik Ben c'est… Des... – Je pense que l'œuvre de malik Ben euh, a quand même perduré chez les immigrés dans ce quartier-là, donc à côté de la, de la rue Fauché, parce que 40 ans après, on va avoir la première grande mosquée à Marseille, qui est à la Porte d'Aix, qui est à côté… 1916, qui va ouvrir, celle de Halili. Et donc… Euh, – 1976. Et, – et, 1976. – La rue donc, du bon pasteur. – Voilà, et donc c'est des commerçants qui probablement remontent à 1937, etc. Donc on a quand même cette culture musulmane qui est là. – Oui, et, donc il y avait des petites salles de prière voilà. disséminées dans Marseille. Voilà. – Mais là, c'était un projet de la ville de Marseille. – qui oh, La mosquée l'officier Abdelhadi, c'était oui. celle juste... qui deviendra l'Islah, non ?– Oui, c'est c'est autre chose. Non, mais Abdelhadi, Doudi, Doudi mm. le prédicateur là, qui a posé des problèmes. Non, c'est une, une, autre, une autre mosquée, ce pas celle-là. C'est dans une autre, qui a été fermée d'ailleurs. À cause fermée. de lui. Oui. Mm. Bon. Donc là, on est en 1937, le maire de, de l'époque de Marseille, Henri Tassot, veut créer cette mosquée. Il va y avoir là aussi, dès, ce, dès cette date-là, des rivalités entre musulmans. Cette rivalité va venir surtout de la mosquée de Paris, parce que Ben Gabrit, qui était un peu une tutelle, va dire à la condition <coughs> que cette mosquée de Marseille dépende des Habous de Paris. Et donc ça ne va, va pas être accepté par les locaux, et donc ce projet ne va pas aboutir. Il va y avoir d'autres projets qui vont être contrariés par l'occupation allemande 1942. Un autre projet va aussi Apparaître après la Deuxième Guerre mondiale, toujours par reconnaissance aux soldats musulmans. Donc Marseille veut faire euh, cette mosquée, parce que Marseille, c'était le passage obligé des troupes de l'armée d'Afrique qui passaient par Marseille pour venir ensuite libérer le reste de la France. Oui, parce, dans le débarquement de Provence. Et le débarquement de France, très et déjà, mais déjà en 1418, ils passaient par Marseille et ils étaient envoyés par train, souvent des trains de marchandises, hein, pour venir au front ici. Dans le nord de la France. Et là aussi, donc, euh, de nouveau, en 1951, euh, ce projet euh, euh, va aussi ne pas euh, réussir à cause d'opposition avec la mosquée de Paris, qui veut vraiment euh, mettre la main sur cette mosquée de, de Marseille. On va avoir d'autres projets. Alors, euh, je vais rapidement euh, arriver à celui euh, où il y a eu une déclaration du maire M. Vigourou en 1990. Le successeur, donc, donc, Defer. Donc, le successeur de Gaston de Fer, donc du successeur de Gaston de Fer, qui va créer Marseille Espérance. Là où se retrouvent les différents cultes, une espèce de commission. Hein, qui, donc, euh, il, il, il a senti quand il a créé Marseille Espérance, qu'il pouvait être reçu dans des lieux dignes, chez les chrétiens euh, catholiques ou chez les protestants, chez les juifs et même chez les bouddhistes. Mais chez les musulmans, il ne trouvait pas de lieu adéquat, vraiment digne. Hein, C'est souvent des garages transformés, des maisons transformées, etc. Donc il va, il il va il accepter... Il y avait la nouvelle mosquée des Caplettes à l'époque. C'était une maison. C'était une maison. Oui, elle, mais était mais petite, un, elle, c elle était petite. Elle n'était pas comme aujourd'hui. Avec elle... un jardin. Voilà. Maintenant, oui. maintenant, elle s'est beaucoup étendue. Parce qu'il y avait une usine à côté. Ils ont pu acheter pour pouvoir... Avec comme le, le responsable. Voilà. Mais au départ, c'était une maison. hein. D'Armani, cher Bachir D'Armani. Bachir qui était très dévoué. Il vit voilà. toujours. Et donc, euh, il va... Vigourou va accepter l'idée d'une grande, grande mosquée comme la mosquée de Paris. Et il va faire cette déclaration pendant une séance du conseil municipal. Mais il va y mettre une, une condition qui ne sera jamais remplie. Il va demander à ce que les musulmans soient unis derrière un seul projet. Et malheureusement, il va y avoir, il va y avoir une multitude de projets, euh, des dissensions entre les musulmans, qui vont durer euh, jusqu'à jusqu l'arrivée d'un nouveau maire ce Gaudin, qui lui aussi, au bout d'un certain nombre d'années, va accepter ce principe d'une mosquée. On est en 2001. Alors, avec Gourou, il était de quel bord euh, Il était socialiste. socialiste. Parce il était avec, euh, oui, donc là, on, on a un consensus droite oui, gauche pour oui, une mosquée. Oui, parce que c'est une nécessité. Oui. Marseille, euh, le quart de, de, de la, ou même le tiers de la population, il est musulman, et surtout oui, donc, algérien. Donc, donc il y a un électorat. Hein, voilà, donc euh, bon, c'est une nécessité. Et il va accepter, lui, en 2001, de relancer. Donc, il va le dire ouvertement. Et là aussi, on va avoir de nouveau des dissensions entre musulmans. Et finalement, il va quand même euh, opter euh, en 2006 pour pour un groupe, euh, pour pour une équipe de musulmans. Et il va leur accorder un bail en fait donc alors, il... alors, mais ce groupe a été composé de calmes. C'est la mairie qui. La Qu mairie effectivement a. Donc, est voilà, intervenue parce qu'elle a... Il y a un dirigisme religieux. Ben, il y a un dirigisme parce qu'il y a des, des, des conseillers qui sont dans le bureau de M. Godin, dont un qui fait partie de la communauté musulmane, et donc qui, qui va chapeauter euh, cette équipe. Et cette équipe donc, va obtenir, euh, par bail amphithéotique, un espace, un terrain. Donc le, le conseil municipal, il peut cumuler être, être, s'occuper des affaires veux... de la ville et de l'affaire de la mosquée. Non, c'est-à-dire que c'est un conseiller, c'est pas, pas un conseiller municipal. C'est un ah, conseiller il fait partie au, du cabinet. au cabinet, un oui. chargé de mission. Oui. Voilà. Oui, donc, mais quand même, voilà. c'est pas très conforme à la laïcité. Voilà. Parce donc, que la, la mairie n'a pas réglé tous les problèmes temporels pour, pour se permettre de mettre quelqu'un. C'est-à-dire que la mairie pour, va, pour va quand même mettre à disposition un terrain. Ça appartient à la mairie. Oui, mais c'est un manque fait. de confiance. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Et, tout à fait. On, on... On lâche du laisse si tout on met quelqu'un pour tout veiller au fait. grain. Oui, hein tout à fait. C'est quand, quand même anormal. Donc il va y avoir un bail amphithéotique de 99 ans, avec un loyer symbolique de 300 euros par mois. Ah, C'est très avantageux, C'est très avantageux. Le terrain est spacieux. Et la mairie a été assez intelligente pour attribuer ce terrain, en même temps qu'un autre terrain mitoyen, pratiquement identique, à une association catholique. Donc quand, quand ça va passer au conseil municipal, l'attribution, elle est faite à deux religions. D'un côté les catholiques, d'un côté les musulmans. Le problème, c'est qu'une fois que la délibération a été adoptée, des marseillais d'une certaine tendance politique vont faire un recours au tribunal administratif pour s'opposer à cette délibération, mais que pour la partie musulmane, pas pour la partie catholique. Donc le tribunal administratif va décider que c'est une subvention déguisée que le prix du loyer n'est pas celui des domaines, parce qu'il euh, y a une espèce de, 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 de prix euh, administratif, on va dire, et euh, que 99 ans, euh, c'était presque une donation. Et donc, euh, euh, le tribunal administratif va annuler la délibération municipale que la partie concernant les musulmans, parce que l'autre partie n'a pas été attaquée par, par quelqu'un d'autre au tribunal administratif. Et donc, la mairie... Alors, euh, la partie catholique n'a pas été attaquée. Non, c'est-à-dire que ceux qui ont porté plainte n'ont porté plainte que pour la partie de la délibération, le paragraphe qui concerne les musulmans. Et ils vont donc constater que c'est effectivement trop avantageux, le tribunal administratif de l'époque. On est en, en, en 2007 et il va y avoir une nouvelle délibération, puisque le tribunal administratif s'est opposé. Il n'y a pas eu d'appel, qui est une erreur. L'équipe de l'époque, aurait pu faire appel. Contre cette décision du tribunal administratif, elle ne l'a pas faite. Donc finalement, euh, le, la mairie va croire bon de modifier les termes du contrat. Donc elle va mettre, au lieu de 99 ans, 50 ans, pour la grande mosquée de Marseille, et euh, au lieu de 300 euros par mois, 2000 euros par mois, qui était le prix du domaine. Et ce qui fait qu'il y avait déjà une dépense importante alors qu'on n'a rien construit. Euh, – Ils il payaient le loyer euh... ?– Ils payaient le loyer, ils ont signé oui. le bail, oui. puisqu'ils ont accepté cette nouvelle délibération. Je parle de l'équipe qui avait été choisie. Et, euh, et, et équipe... ils vont être alourdis avec ça, parce que c'est trop cher. Mais, mais, le choix, Quand ils font des quêtes, d'un côté, ils payent le loyer, les quêtes, on ne sait pas comment ça rentre. – Mais les, les, pro... les porteurs du projet restent toujours sélectionnés par la mairie. – Oui, c'est les mêmes, c'est toujours la même équipe. – C'est là où suit. intervient M. Roule, là oui, oui, donc c'est lui qui a dirigé l'équipe et qui va donc euh, Alors, bon, gérer. lui, il a été euh, coopté par la mairie, et puis après, oui. il a il est plus entreprenant que les autres, et il est devenu le chef du projet, pratiquement. Tout à fait, parce qu'au départ, il y avait un autre président qui était un rapatrier musulman, parce que Godin avait tenu à donner ce projet à une équipe, mais qui est quelqu'un qui soit un rapatrier français-musulman. C'était ah. Cher, qui s'appelait Nordine Scheer, oui. dont, dont le frère était euh, sous-préfet. Oui, du temps, hein, du, du oui. temps de, de, de l'Algérie française. Et donc finalement, euh, il va être destitué et il y aura ce nouveau président. Et euh, depuis 2007. Euh, les, les rapatriés n'ont pas la culture du coup d'État. Hein. Non. Les autres <laughs> Ils sont filles. encore naïfs. Oui. Et donc finalement, euh, c'est comme ça que ce projet va partir euh, 20 ans après, pratiquement, à l'échec, puisque. – Alors, mais à ce moment-là, il y avait quand même des rivalités. Que, alors, par exemple, euh, il y a quelqu'un qui a. Parce que l'accord à... a été donné par Godin en 2001. – Oui, mais, mais Godin… – en recevait, 2017, il recevait la mairie va annuler le bail parce que… – Il y a quelqu'un qui se proclamait grand multi. Oui, qui était, mais, qui a oui. Été... était aussi dans l'équipe. – Ils l'ont mis, il a cohabité avec Roux. – Il a cohabité avec cette équipe-là. Ils ont fait cette démarche pour obtenir l'accord de M. Roule. Alors, Roul, est-ce qu'il avait une salle de prière euh, locale Oui, oui, il a toujours il a une petite salle. Mais le grand mufti n'en avait pas. Non, il était, lui, il était de passage. Mais, il y enfin, est toujours. On n'a plus de nouvelles. Par contre, ce qu'il faut savoir. Non, non, mais à l'époque, il était. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que la dissension des musulmans, qui ne se sont pas entendus depuis le départ, parce qu'on était déjà en 91 avec M. Vigourou, en 2001 avec M. Godin, et c'est comme ça que ce, que ce projet. Qui était devenu trop lourd financièrement, qui a drainé quand même des capitaux importants, mais dont on n'a pas de traces, on n'a pas de bilan comptable. Il y a des tas de gens qui ont, qui ont donné tout leur, toutes leurs économies, des anciens qui avaient, comment dire, cet espoir de voir une, une belle mosquée, pour avoir une belle image de l'islam à Marseille, qui ont donné aussi toutes leurs économies, des gens ont donné des bijoux, etc. Mais il y a même des États qui ont. Financé. On parle. On L'Algérie parle a promis, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y, qu y a eu des États qui se sont plus ou moins engagés, mais qui, qui se, se sont désengagés oui. quand ils ont vu que l'équipe n'était ben, pas à ben, la hauteur. Je me souviens, moi je n'ai pas suivi ça de près, mais un soir, à la télé, on a vu Moussaoui, euh, fraîchement élu à la oui. tête du CFCM, oui. venir inaugurer. On croyait que les travaux oui, ont, allaient commencer. C'est vrai qu'il y a eu le dépôt d'une première pierre. Pour la Il y direction. avait aussi euh, le recteur de la mosquée de Paris, il y avait aussi des autorités consulaires. De différents pays maghrébins et autres. Donc il y a un, un, mais qui, un euh, progrès astronomique par rapport à, à 1951 où la mosquée de Paris est bloquée. Oui, la, effectivement. L'actuelle la, direction a dénié oui, a bénir oui. le projet. Oui, mais on ne sait pas sur quel accord. <laughs> non, parce que l'Algérie a promis <laughs> le financement. Oui, oui, mais je pense que. Le après, fait... la, alors pourquoi l'Algérie est revenue sur sa promesse de financer ben, Je ne sais, sais pas. Personne ne le sait parce qu'il n'y a pas de transparence. Ce, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'un projet Roule, qui est. Pouvait... Il, il, euh, il était admis par les autorités algériennes. Je pense au départ. Oui. Mais voilà. ça, c'est des. On n'a pas connaissance de tout, de tout ce qui se traque derrière tout ça. Les musulmans à Marseille, c'est des musulmans simples. Pour eux, c'est un beau projet. Donc, beaucoup ont, ont donné des financements importants. Et ils n'ont jamais eu de retour. Et ils n'ont jamais eu de comptabilité. Il n'y a rien qui est publié. Vous ne savez pas combien il a coûté vraiment euh, l'architecte, dont on dit quand même que le permis qu'il a déposé, c'est 350 000 euros. On ne sait pas euh, combien de sommes a été récoltée, ce qui a été dépensé. On sait par exemple qu'ils se sont permis de payer une maquette, parce qu'ils ont fait une belle maquette. C'était beau. Quand on regarde le projet, c'est le palais des mille et une nuits. Et euh, cette maquette, elle a coûté 5 000 euros. Et comme ils ne payaient pas parfois les loyers, etc., de ce terrain qui était en friche, il y avait une baraque, se trouvait dedans cette maquette. Un jour, un bulldozer est venu, il a tout rasé. Cette maquette est partie à la poubelle. Donc voilà comment on gère aujourd'hui euh, le, le, le culte musulman, alors que cette alors, communauté, elle est ignorée, elle n'a pas sa place, on ne lui donne pas d'informations, mais on va quand même la chercher quand il s'agit de trouver des financements. Pas comme ça que ça marche. Non, mais Et ça là, ne peut pas aboutir. Si ça. Je comprends bien, bon, l'accord définitif de la mairie pour ce grand projet euh, a été obtenu après les élections du CRCM local. Oui. Conseil régional du culte oui. musulman. En 2006. Oui. oui. Est-ce que le CRCM était. Euh, ben oui, parce que, parce que la personne dont vous avez cité le nom, Roule, Roule a été élu. Euh... était le représentant du CRCM. Donc c'est aussi. Euh, parmi les conséquences de cet échec, l'échec du CFCM, comment on va, en tant que représentant de cet organisme, euh, obtenir un projet pour ne pas le mener à bout, ne pas l'avoir suggéré, ne pas l'avoir bien négocié, etc. Parce que je vous ai parlé de la délibération qui concernait la partie musulmane qui a été annulée. Mais la partie catholique, ils ont bien 99 ans. Ils payent 300 euros par mois jusqu'à aujourd'hui. – Oui, mais eux, ils ont une, une église très bien structurée accepté, qui Oui, mais, mais l'équipe en charge du projet, elle a accepté. C'était une humiliation. Ils auraient pu dire non, votre projet, on ne l'accepte pas dans ces conditions-là. Soit vous nous donnez l'équivalent de ce qui se fait avec d'autres communautés, ce n'est pas que les catholiques, hein. il y a d'autres communautés Alors, qui, bah, moi, qui, qui bénéficient. Des de, questions de ce genre de soutien de la, de la ce... mairie, mais pas les musulmans. La, la mosquée islamique a été impliquée dans ce grand projet. Il y avait plusieurs tendances. Il y avait des tendances de différentes mosquées, petite mosquée de Marseille, qui chacun le... voulait le projet finalement. C'est cette équipe-là qui l'a obtenue, euh, celle qui a été choisie. à Non, la mais fois. visiblement, c'est un... un rassemblement de tendances différentes. Donc, c'est a priori intéressant. On a non, non, ils ne se sont pas rassemblés. Oui, ça aurait été mieux. On, on a le grand multi qui était quand même un bon théologien, malgré ses défauts par ailleurs. Plus quelqu'un qui. n'était pas vit. Marseillais, il était de passage. Mais personne n'est Marseillais de naissance, ça. Bon. Mais il, y a il, a était... y il y en a qui y vivent, oui. Non, ça. On... C'est vrai, vrai, comme... vrai que les protagonistes. On, on a des élus. Vous, qui avez, sont raison. vous avez raison, c'est vrai que les protagonistes, la plupart venaient du Bled. Ce pas des gens natifs d'ici ou qui ont grandi ici. Donc oui, ça mais, aussi, bon, ça a posé problème, il faut parce qu'ils ont des tendances il y a différentes un début à tout, entre mais eux. Là, on a la chance d'avoir un, un théologien qui a écrit un bon livre, et Benchir, son premier livre. C'est un livre très intelligent, bien informé. On a quelqu'un qui a une légitimité au moins administrativo communautaire, puisque président du CRCM. – Communautaire, non, parce que c'est un vote uniquement réservé. Oui, – mais au mètre carré. – la salle de prière, bon, la oui. communauté musulmane n'est pas impliquée. Hein. – Oui, mais elle ne le rejetait pas. – Elle l'ignore ?– Non, elle le juge Alors, sur pièce. Les musulmans, ils sont très patients. <coughs> Quand quelqu'un vient, on le juge sur ses résultats. Ben, ah. – C'est-à-dire que le, le musulman normal lambda euh, fait confiance à quelqu'un dont on dit qu'il est responsable religieux. Il va pas chercher ce qui se passe derrière. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. La, la communauté musulmane de France, elle est un peu comme ça. Parce que l'échec de Marseille se répercute un peu partout. Vous avez eu d'autres projets où des gens se sont opposés par rapport à ce qui s'est passé à Marseille. Ils ont voulu non, refaire mais pareil. L'échec est Vous définitif. Il n'y a pas moyen de relancer. S'il si y a des gens. Non, c'est définitif. Parce que le, le, le terrain a été repris. Et. Euh, L'équipe concernée a fait un recours au tribunal administratif mais qui n'a pas été accepté. Même le recours a été refusé. Donc finalement, c'est fini, c'est terminé. Le terrain va probablement être récupéré pour, pour, pour autre chose. Et ce n'est pas la première fois qu'un terrain attribué dans un premier temps à la communauté musulmane ne trouve pas de réussite et finit à retomber dans le domaine de, du, de la municipalité qui après l'attribue à autre chose. A Aix-en-Provence, c'est le cas. Il y avait un terrain qui avait été désigné dans, dans les années 90 pour un centre musulman. Comme il y a eu des mésententes, aujourd'hui, ce même terrain, il est utilisé pour faire deux salles de fête. C'est celui de la à place Marseille. de la mairie, là, non, à Aix. Non, je... Oui, à Aix, oui, oui. Il n'est oui. pas sur la place de la mairie, il est à l'extérieur, mais c'était un terrain qui avait été discuté en conseil municipal. Mais comme ils ne se sont pas entendus, là, les différentes tendances, parce qu'il y a trop de tendances. Chez les musulmans, on est arrivé à l'échec. Et cet échec, donc, je vous dis, a des répercussions parce que dans d'autres villes, ils trouvent des difficultés à cause de cette jurisprudence de Marseille. Entre-temps, depuis, ça je peux vous le dire, l'évolution de la jurisprudence a été très positive pour les musulmans parce qu'aujourd'hui, il est tout à fait admis, aussi bien au niveau du Conseil d'État que de la Cour de, euh, de cassation, qu'il est possible d'attribuer un terrain. 99 ans à un euro symbolique. Donc ça, ça se refait, c'est ce qui s'est fait à Vitrolles. Le, le, le projet de mosquée actuellement en construction, en fin euh, d'achèvement à Vitrolles, c'était en 2012. La délibération municipale a donné un terrain de 4000 m 2 pour 99 ans à un euro symbolique annuel. Donc, ah, euh, un il, fallait, il faut faire un échec chaque année oui. de 1 euro. – Pour 99 ans, donc, ouais. euh, donc, donc pour dire que malgré tout, il y a eu une évolution positive pour les musulmans. – Et là, les, les musulmans ce, dans, sont d'accord à peu près. – Comment ?– et Ils sont d'accord pour euh, achever le projet, C'est pas comme… Euh, – Non, 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 mais là c'est fini, là. la construction elle a eu lieu, on, on est dans les finitions. – Ah ben bah, c'est très bien. Euh, – Non, non, c'est oui. très bien, mais pour donc, vous dire bah, qu'il y a toujours espoir, le seul problème, et... c'est que cette mission de, de musulmans représentants n'est pas encore euh, euh, bien organisé et bien mené. Il y a un déficit de personnel euh, capable à la hauteur et qui puisse travailler dans la transparence et dans la bonne entente. Et surtout avec le renouvellement des personnes. Parce qu'on a pris l'habitude dans ces associations-là de faire un, un espèce d'espace de, de, réservé où les mêmes personnes tiennent un bureau en 10, 20, 30 ans, voilà, certains sont à la retraite, mais il lâchera pas le, le, le poste alors qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, alors qu'ils ont l'obligation de préparer cette alternance, de préparer ces, 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 ces personnes qui arrivent. Voilà, parce que nous avons des gens de 70 ans, ils sont encore en poste depuis 20 ans, 30 ans. C'est inadmissible, à mon avis. Donc c'est ça qui est euh, euh, comment dire, plombe. Euh, la communauté musulmane pour avoir ces vraies institutions que tout le monde attend. Et, et encore aujourd'hui, le nouveau ministre de l'Intérieur, après X ministre de l'Intérieur, est encore à la recherche d'une représentativité musulmane qui puisse gérer ce culte dans la transparence, parce que nous avons toutes les, toutes les possibilités de le faire. Parce que nous avons des revenus qui existent, qui peuvent satisfaire. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, du pèlerinage, la Hajjilomra. C'est des voyages à but religieux qui dégagent des bénéfices qui pourraient très bien aller retomber au niveau de la communauté pour ses structures, pour sa formation, pour les enfants, dont on n'a pas souvent de lieu pour leur donner enseignement religieux adéquat et qui ne soient pas récupérés par des mouvements extrémistes ou farfelus. Et donc, si vous voulez, ça pourrait faire vivre aussi bien les agences de voyage. Que, la, que les institutions de la communauté. Il faut l'organiser. C'est pareil pour la taxe du halal. Nous avons ici en France trois euh, mosquées qui ont euh, cette habilité de certification de la viande halal. Pourquoi ne pas faire retomber aussi ces revenus pour les institutions musulmanes de manière quand même à organiser beaucoup mieux cette communauté oui, et donner la bonne image pour que l'opinion là, publique là, là, a soit a favorable. La, la prose de Hakim O'Karouis en omniprésent, lui il réagit en banquier, il fait des fixations que sur le financement, mais il oublie que le problème du financement du culte musulman en terre laïque a été réglé sérieusement et presque définitivement par Dominique de Villepin. Quand il est venu au ministère de l'Intérieur, il a créé la fondation des œuvres de l'islam. Il oui. y a eu un premier don de 2 ou 3 millions d'euros d'assaut, de, 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 total par la suite. Mais ce sont les membres du bureau, musulmans, exclusivement musulmans, qui n'ont jamais réussi à la faire fonctionner. Oui, parce que je... dans, dans, Le Hakim al oui, il tourne autour du pot, bon, il a une plume très alerte, c'est un normalien, il écrit bien, mais il enfonce les portes ouvertes. Et il ne se donne pas la peine de se renseigner sur les antécédents. Non, mais l'antécédent le, le plus sérieux, c'est la fondation des Abdulis. Au lieu d'aller euh, dire à Riyad ne donner pas les visas, un tel, il nous déplaît parce qu'il fait l'objet d'une délation malveillante de quelqu'un qui le traite de salafiste uniquement au titre de la concurrence commerciale, ce n'est pas très sérieux. Ce n'est ni, ni digne de l'islam, ni digne de la laïcité. Or, le, la, la question, c'est pourquoi les membres du bureau de la... la la FOIF, comme on l'appelle, Fondation des œuvres de l'islam de France, pour, ils n'ont pas daigné la faire fonctionner. Moi, Après, pas... on a créé la FIF, oui, moi, la Fondation pas... des œuvres de l'islam, qui sont des œuvres profanes et laïques, par votre ami Chevenement, puisque vous venez de Belfort. Oui. oui, mais là, je, là, vous faites bien de soulever ce, ce problème de cette fondation, qui a été un échec. Euh, cette fondation a quand même été euh, euh, proposée au CFCM, et qui, pendant dix ans, n'a pas réussi à la mettre en œuvre. Vous avez raison. – C'est ça. Depuis 2006, on pas à depuis, depuis 2006 à 2016, euh, ils n'ont pas réussi à la faire fonctionner, parce qu'ils n'en ont pas les compétences, à mon avis. Et, et c'est à partir de là que… que – que Moi, j'aurais 000... donné comme vous, mais j'ai interrogé, les... ils m'ont dit, c'est hors de feu… Quand il, a, non, il est devenu, que soit, Quelles que soient les raisons… – Non, non, il leur a dit, je ne veux pas de l'UOIF, il décrète, non, alors que l'UOIF était admise avant. – Oui, mais ça c'est leur problème, je veux dire… – Non, non, on ne peut pas accabler les musulmans non, quand un ministre non, de l'Intérieur est non, au comme ça. – pas les musulmans, j'accable oui. ceux qui se disent représentants des musulmans et qui ne sont pas à la hauteur. Depuis 2006, ils avaient ce projet au CFCM, ils n'ont pas su le mener à bout, en 2016, Cajeneuve leur retire le projet et nomme M. chevalier pour gérer la Fondation. – Mais ils ne disposent pas, pas de leur libre c est, c est, Mais, mais péché... pendant dix ans, vous n'avez rien il y a un péché original, dès le début. – mais à ce là, il fallait pas l'accepter. – Non, ils acceptent parce qu'ils veulent être vus à la télé et reçus au ministère de l'Intérieur. Ah, – Ça ne marche pas comme ça. – Ça flatte leur ego. Ça marche pas comme ça. ça – Mais le problème, si on va jusqu'au bout, si on est fondamentaliste dans l'analyse, c'est le cordon ombilical entre les instances islamiques et l'administration laïque. Oui. Or, il ne voit absolument rien dans les réunions avant de regarder ce que pense M. le ministre. Oui. Et, oui. et, oui. et, et oui. là, oui. les types, je ne cite pas leur nom, j'ai posé la question, ils m'ont dit, c'est hors feu. – Mais ils trouveront toujours des prétextes. Pourquoi non. vous l'avez gardé pendant 10 ans ce projet ?– Au lieu d'accabler les imams, ah, moi, hors feu, oui. il est plus intelligent, il a une administration. Ah. Pourquoi il, a, il a était obtus au point de bloquer la fondation vous ?– savez, Vous savez que… Euh, L'UFCM, donc cette structure fabriquée par Sarkozy. Le CFCM Oui, le, le CFCM, ce que Oui, le Conseil français du culte musulman. Ouais, le culte musulman. Les gens prenant En le 2003 conseil, le, franco, le Conseil franc-comtois des mutualités. <laughs> euh... Oui, je crois que ça, ça, ça ressemble à quelque chose. Et d'autres, le CM, ils disent couscous <laughs> merguez. Ouais. Les gens qui ironisent. Donc, en donc, tout cas, ça n'a pas été un succès, d'où la Ça n'a pas porte été un ouverte. succès parce que ça a été fait en 2003. Et quand on apprend que ce soit, disons, représentant des musulmans de France, les musulmans de France, ce n'est pas rien. C'est 7 millions peut-être. Parce qu'on n'avons pas les chiffres, mais on sait que c'est à peu près ça. Vous n'êtes pas Ils n'ont pas été capables de payer le loyer de leurs propres locaux à Paris. Rappelez-vous de ça. Et c'est Madame Hidalgo qui va effacer euh, euh, l'ardoise ont... de, de plusieurs années de Ils loyer. – Ils ont fait un iftar de 18 000 euros au pavillon Dauphine en l'honneur de M. Hortefeu, qui, qui a été condamné pour. Euh... Propos à, à caractère raciste. Le, le, alors que M. Moussaoui, à la sortie, il s'est substitué à la, à la justice en disant non, M. Hortefeux n'est pas raciste. Ah ouais. Donc, euh, alors avec des euh, Moussaoui, oui, comme ça, oui, ouais. on ne peut pas avoir une vraie représentation. Tout à fait. Et la, la justice l'a ouais. condamné Tout à fait. en première instance Tout à fait. pour propos racistes. Tout à fait. Et, et, le, et lui, il s'est désintéressé totalement du CFCM. <laughs> il les a réunis en iftar aux au frais des musulmans, 18 000 euros pour un, un, une rupture un de jeunes, et il leur a conféré le pouvoir d'absoudre les péchés ministériels. C'est eux qui l'ont lavé, alors que la justice laïque l'a condamné. C'était ridicule, à ce moment-là. Alors, quand les, ils, 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 ils décident de ne pas payer le loyer, c'est pour qu'on parle d'eux, alors qu'ils ont de quoi payer 18 000 euros en une seule soirée. Tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. Et moi, je pense quand même que là, on touche quand même le fond, quoi. Parce que, si on continue comme ça, cette société, elle va partir dans des dérives, dans, dans des excès. Et on a besoin d'hommes et de femmes capables de stopper cette, cette descente infernale euh, qui, euh, qui donne une très mauvaise image des musulmans de France et de l'islam, et qui euh, touche même les nouvelles générations. Les enfants dans les cours d'école, il faut voir ce qu'ils entendent. Parce que tout ce qui se dit à la télé, ça se répercute à la, à la, à la récré. Donc les enfants aussi subissent ce côté négatif qui, qui pèse sur les musulmans. Parce que nous avons quand même à la tête de ces institutions qui sont en crise, qui sont musulmanes, des anciens. Il y en a qui ont 80 ans. Qu'est-ce que vous faites encore dans ces structures Laissez les nouvelles générations laissez ceux qui ont 40 ans, qui ont 50 ans qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont de l'intelligence, qui ont du talent, oui, qui mais, ont de l'instruction. – Oui, mais l'arrivée des jeunes ne garantit pas… Oui, – mais c'est à eux, ah, c'est leur, leur non, obligation ils ont, de, la, ils de la préparer. – la culture du, du putsch, beaucoup plus développée que chez leurs prédécesseurs. Voilà, on a des exemples, la mairie de, de, de Marseille a mis à la disposition des, des moyens… – Oui, mais c'est avec oui. des anciens cela Oui, non. – Et mais, la plupart qui viennent du bled. – Non, mais, mais le, les gens… – Qui ont, non, qui non, ont, non, qui non, ont cette culture de vouloir être toujours des chefs, d'avoir une non. chaise permanente au lieu de, de passer oui, la mais, main mais on et de chercher des compétences. – on ne peut pas quelqu'un uniquement parce qu'il vient du bled, il non, a mais je, les chefs Non, je veux fait. dire qu'il y a une mentalité qui est mauvaise. Au lieu de chercher des compétences, non. on veut se mettre en avant non, alors qu'on qu n'est pas capable. – Que ce soit le projet de Marseille ou le CFCM, on a un assemblage de gens qui ont montré qu'ils n'ont aucune envie de travailler ensemble. Ils ont ils ont proliféré, ils ont grandi dans la rivalité entre eux et euh, les bons offices du ministère n'ont pas réussi à les relier par une pensée commune pour se mobiliser autour de projets communs. Marseille, c'est des gens qui ne se sont pas mis d'accord. Voilà, moi, je n'ai jamais compris pourquoi l'Algérie a promis une somme assez conséquente puis après elle retire. Euh, c'est sans doute à, à cause de la composition des de gens qui... Euh, et ils allaient par une porte dérobée chez Gaudin, puis ils allaient dans les consulats. Donc c des... Chacun veut être dominant, hégémonique. Donc ça finit par capoter. Et le CFCM, c'est des gens qui, depuis 2003, n'ont pas réussi à travailler ensemble. Ils n'ont pas une pensée commune. Chacun veut améliorer sa situation spécifique par sa participation au CFCM. Mais sans penser à faire progresser l'ensemble de la question de l'islam de France Moi, je pense qu'il faut. C'est un problème aussi, quand même, malgré tout, de personnes qu'il faut renouveler. Personnellement, j'étais intervenu auprès de, de l'équipe qui était à Marseille, en place, plusieurs fois, pour leur dire qu'il faut, faut, faut mettre une nouvelle équipe en place qui va renégocier les, les conditions qui sont trop difficiles à supporter pour un tel projet, les fameux 2000 euros par mois. C'est quand on lui un tracassait Ils n'ont jamais entendu raison. Moi, je vous ai travaillé, je vous ai trouvé comme aide bénévole de Dahmani Bachir à la Caplette. À la Catlette qui marche très bien, qui une... continue, Et qui on forme des a enfants. Pourquoi vous mis dans le projet de grande mosquée qu vous a proposé Parce que c'était un clan. Ils ne voudront pas des gens qui vont venir, peut-être, ne pas accepter certaines pratiques. Voilà, surtout ça. Et c'est un peu pareil aujourd'hui, même au niveau de ce CFCM, qui a besoin d'être renouvelé totalement. On a vu ces gens, depuis des années et des années, aller d'échec en échec. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont réussir. Donc C'est pour cette raison qu'on a besoin de nouvelles compétences, qu'on a besoin de jeunesse, qu'on a besoin d'avoir des gens plus performants. Parce que l'islam peut très oui, bien... Oui, mais le mode, le de, mode de désignation est à l'origine de l'échec. Parce que qu'ils n'ont oui, de compte trop, à rendre. Parce que quand on a le bureau du CFCM qui est coopté, qui c'est qui coopte C'est le ministère de l'Intérieur c'est anormal, ils... pourquoi ça ne se fait pas avec les oui, autres mais cultes eux ne... ils Pourquoi les compte... autres cultes, ils ont leur propre fa façon de fonctionner, non, sans on interférence On parle de cette relation, ils n'ont pas inégalité. de compte à rendre à l'opinion musulmane, qui a été négligée dans leur désignation, ils n'ont de compte à rendre qu'au ministère de l'Intérieur, qui se retrouve avec mais un C'est bilan... anormal, oui, nous mais sommes dans un état de droit. Oui, mais Regardez ce qui se passe aujourd'hui, à cause d'une bastonnade, d'un chargé de mission, agent de sécurité à l'Elysée, on a mis une commission des lois, une enquête de commission des lois. c'est pas rien. Au Sénat, à l'Assemblée nationale, on veut savoir ce qui se passe. Et ben pour, alors, alors pour les on musulmans, a des gros on doit faire pareil. Bras qui ont un parcours et un comportement tout à fait comparable à celui que vous citez, qui sévissent dans des grandes mosquées, qui tabassent les gens pas normal. dans les grandes mosquées. Parce que, parce que et nous les savons autorités pas... sont au courant, ils ne leur demandent rien. Non, parce que nous ne savons pas saisir les instances du pays. Qui sont régis par le droit. Non, maintenant, voilà. maintenant en plus, il le... y, y a quand même chez les députés des gens qui ont des pensées humanistes, qui sont prêts à aider cette communauté à s'organiser, et pas toujours euh, sous le dirigisme euh, politique non, ou, de, ou étranger. Colomb, surtout quand c'est étranger. Colomb a lancé une des assises départementales de l'islam. Ça, c'est un aveu d'échec de tous ces prédécesseurs. – Oui, chacun a fait ça. Chaque ministre a fait ça. Non, non, non. Non, chaque ministre de l'Intérieur a fait ça. Absolument pas, jamais. – Cazeneuve, il a fait aussi. Non, il Cazeneuve, a réuni 150 personnes à, mais pas à, le à, à, à Beauvoir. Non, ce n'est pas départemental. À, à la place Beauvoir. Non, Cazeneuve n'avait pas besoin de raison. En 2015, c'est ce qu'il a fait. Oui, mais ouais. c'était. Il pour... a dilué le CFCM dans son... avec 150 personnes. C'est pas, pas du tout. Non, ce n'est pas comparable pas marché aux assises non plus. départementales. Oui, oui. mais… – Le fait même de se tourner vers l'opinion, c'est un aveu d'échec du ministre. Qui a pris conscience que les, les, les gens cooptés n'ont de compte à rendre qu'au bureau central des cultes qui les désigne. L'opinion, il l'a méprisée. Mais Sadak Salem, quand il dit départemental, ça va être les mêmes relais que, le, que ceux du CFCM Ça va être toujours les mêmes, les gens entre eux Ça non, sera pas cette Non, communauté. non, il leur donne des consignes pour ah, ouvrir. Moi, je pense que ils la ils première. Il leur dit, des choses... les chefs de cabinet, les échos que j'ai eu. Mmh. il faut ouvrir à la société civile. Oui, mais dans seulement... un premier temps, il faut déjà remercier tous ces anciens Cazenave qui sont arrivés a... à la retraite, <coughs> certains qui sont handicapés même. Non, le critère Ils de l'âge peut... n'est pas retenu. Qu'ils euh, qu aillent se soigner, qu'ils aillent passer leur retraite, non, on peut avoir... et, et, et qu'ils laissent d'autres générations. Non, 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 le critère euh, de on peut avoir un 20. jeune de 20 ans euh, qui, qui qui peut être beaucoup plus dangereux que quelqu'un. Non, quelqu je ne parle pas a... de jeunes de 20 ans. Oui, mais de... le critère de Aujourd'hui, nous avons des universitaires, où... nous avons des pères de famille. Instruits, qui ont 35 oui, les ans universitaires qui, ont 45 qui connaissent ans, la religion, ont... moi j'en connais très si, peu. Si, si, beaucoup. Où, le problème, problème c'est qu'ils ne se manifestent pas parce que les places, elles sont euh, toujours dans des conflits et ils préfèrent se mettre à l'écart pour éviter le conflit. Alors que nous avons quand même une religion d'une très grande hauteur, d'une très grande tolérance, qui reconnaît les autres cultes. Tout à l'heure, nous avons parlé de Voltaire. Moi, je peux vous, vous citer, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, ce que disait euh, un grand homme aussi euh, science, de, de science qui était membre de l'Institut, Barthélemy de, de Saint-Hilaire, on est en 1865. Et voilà que cet homme, qui, a, qui était un érudit, un, un homme de science, etc., a étudié l'islam. Et voilà ce qu'il dit. Il a écrit un livre sur le Coran. Et la première des choses qu'il dit, je me suis appliqué en étudiant Mahomet à exercer envers lui une stricte justice. J'ai signalé ses graves défauts à côté de toutes ses vertus et ses faiblesses à côté de son génie. Je n'ai rien dissimulé, ni du mal, ni du bien. Et après avoir balancé l'un et l'autre, j'ai cru devoir porter un jugement favorable sur le prophète de l'Arabie. Selon moi, l'impartiale histoire ne peut plus avoir une autre opinion. Désormais, Mahomet lui apparaîtra comme un des hommes les plus extraordinaires et les plus grands qui se soit manifesté sur terre, etc., etc. Il parle du Coran qui est authentique. – Et Isabelle Eberhardt qui a écrit que l'islam, c'est la plus belle religion du monde. Bon. Elle a choisi de se convertir, ça c'est pas un problème. – Qui ça ?– Isabelle Eberhardt, Isabel russe, qui et... s'est convertie à l'islam. – Et surtout… Non, – Non mais le... et, attendez, attendez. Et surtout, les islamophiles et surtout... ont toujours existé non, en France. – Et surtout Napoléon Ier. Qui a dit la plus belle des religions, c'est l'islam. Oui, 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 mais nous aujourd'hui Aujourd'hui, le problème. On va voir les ulama d'Al-Azhar avec lui. Oui, mais nous, aujourd'hui. Non, non Il, il a fait... dit après, quand il était à, à, à Sainte-Hélène. Oui, mais il a dit euh, le, si le, Je le, meurs le, le, dans la religion catholique le, romaine. Le, oui, parce que c'était l'époque. Oui, mais on a fait croire qu'il était converti à l'islam, c'est faux. Oui, mais. Ça se discute. J'ai vu son testament manuscrit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'islam peut briller ici, en France, avec un bel éclat. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on retrouve de l'apaisement, qu'on arrête d'être dans l'actualité, qu'on laisse tranquille les musulmans et qu'on s'organise avec d'autres personnes, d'autres compétences. Et on peut arriver à apporter une richesse à cette diversité. Et ça, c'est le pari d'aujourd'hui. On doit réussir. Très bien. Merci de finir sur cette note optimiste, malgré l'ampleur la, des difficultés, des, des, des obstacles dégâts. qui empêchent. La mise au point définitive des relations entre la France et l'islam. Merci beaucoup et à une autre émission. Merci, au revoir.